Putain gros, tu fais chier, tu fais même plus de vidéos. Comment ça je fais plus de vidéos, bande de fous malades? J'avoue j'ai arrêté YouTube un peu plus d'un mois, mais je vais vous expliquer pourquoi les petits potes. Parce que tout simplement, voilà, de 1, j'ai déménagé dans ma chambre, comme vous le savez, j'étais plus au studio. Je pensais que j'allais être beaucoup plus à l'aise parce que voilà, ici j'ai pas trop de réseau. Et puis voilà, c'est hors de chez moi et tout, donc c'est un peu space. Je pensais que j'allais être beaucoup plus à l'aise dans ma chambre, mais en fait je me rends compte que pas du tout. Parce que voilà, c'est chez moi et je peux pas gueuler comme un fou malade comme je fais ici. J'ai l'impression que je suis pas dans mon espace de travail. Tandis que là au studio, je sais que là c'est pour YouTube, c'est pour les vidéos, c'est pour vous mes petits refs, parce que vous êtes les boss. Je suis plus à l'aise tout simplement ici. Après ce n'est pas vraiment une excuse, mais j'avais aussi besoin de poser un peu YouTube, de profiter un peu de ma vie, parce que YouTube ça reste quand même un kiff, un loisir, tout ce que vous voulez. Certes j'ai l'impression que j'ai perdu la visibilité, après je le comprends parce que plus on est absent, plus les gens se désintéressent de la personne qui fait des vidéos, mais bon c'est pas grave, on va reprendre ça au sérieux. J'ai mis sur Instagram comme quoi je reprenais YouTube le 15 juin, nous sommes le 15 juin les gars, j'ai tenu ma parole et voici je suis dans le studio, j'ai tout réaménagé, je suis content. Non, ça fait 6 ans qu'on attend tes vidéos, ça fait 6 ans! Tu fais chier! Madiz là, Madiz, gna gna gna, Madiz! Bah écoute, je vois pas de quoi tu parles. Avant de commencer le concept de la vidéo, les petits potes, je vais aussi vous demander de raconter vos histoires d'horreur ci-dessous, sous les commentaires si vous êtes chaud, et de me proposer des idées d'objets de décoration à mettre dans mon décor, comme ça on pourra faire une petite vidéo où j'ouvre ce que vous m'avez proposé pour mettre dans mon décor. Est-ce que vous êtes chaud? Voilà, je vous laisse mettre ça en commentaire si vous êtes chaud. Et puis nous on y va sans plus tarder les gars. Aujourd'hui le concept de la vidéo c'est simple. Aujourd'hui le concept de la vidéo les gars c'est super simple. Alors voilà, maintenant ça fait déjà 3 ans et demi que j'ai commencé YouTube. On a une analytique de tous les personnes qui, enfin pas tous les personnes parce que là sinon ce serait la sauce, mais de tous les grands YouTubeurs et tout, entre guillemets, qui regardent mes vidéos. J'avais déjà regardé il y a environ un an. J'ai vu qu'il y avait Inox et Michou, il y avait eu Valouz, le grand JD et c'est tout. Maintenant je sais que ça a changé, enfin qu'il y a eu des mises à jour et tout ça, donc je sais pas si ce sera encore affiché. Dans tous les cas je pense que je pourrais le voir. Donc les gars, je vous propose qu'on y aille regarder sans plus tarder pour voir qui regarde vraiment mes vidéos et tout ça. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, d'activer la petite cloche des notifications, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de vous abonner à la chaîne de Léo parce qu'il a bientôt les 10 000 abonnés. Mon petit ref, il a bientôt 10 000 abonnés. Et tu te rappelles t'avais dit quoi? Que tu te ferais les cheveux en blond. Petite couillasse moi. Allez c'est parti, let's go. Alors du coup mes petits refs, nous voici dans mon analytique. Donc là les 7 derniers jours j'ai rien foutu. Du coup évidemment il y a personne qui a regardé mes vidéos. On va directement se diriger vers 2020. Alors Madiz, bah oui bah je suis obligé de regarder mes vidéos pour voir un peu le rendu et tout ça. Tu connais mon frérot, c'est pas parce que je me suce là. Ok, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Nous avons Haken, 73 300 abonnés. C'est super bien, je crois que j'ai déjà vu Haken. Il a déjà regardé 5 minutes 59 d'une de mes vidéos. Ensuite, on a Matador. Alors, Matador, 326 000 abonnés. Bah écoutez, lui, je sais qu'il fait des squeezies, j'allais dire, des threads d'horreur. Kiffe ses vidéos, en vrai, j'ai déjà regardé pas mal de ses vidéos. Par contre, il a regardé 1 minute 17 de mes vidéos. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de chialer, gros. Je rigole. Merci Matador d'être passé sur ma chaîne, mon ref. Si t'es là, gros big up. Ensuite, nous avons Max Kays. Alors, 1 million d'abonnés, Max Kays, je kiffe de ouf, il fait des histoires de fou malade, des histoires d'horreur, mais toutes des histoires vraies qui se sont réellement passées. Les explications sont trop bien expliquées. Et là, regardez, 18 secondes, ma vidéo. Ensuite, nous avons Lapin du Futur. Alors, je connais pas du tout Lapin du Futur. Il a regardé 12 secondes de ma vidéo. Un peu comme Max Kays. Ensuite, nous avons Paradox. Alors, je connais pas du tout. Et il a regardé 0 secondes. Bah, c'est vraiment pas mal, 0 secondes en vrai. 0 secondes, le grand record du monde. The Vivi, 197 000 abonnés. Je connais pas du tout non plus The Vivi. 5 secondes. Bon, bah, ça change pas. Il y a... Je vais rien dire sur ça. France TV slash 524 000 abonnés. Mais what the fuck. Bah 2 secondes ma vidéo. Ah mais c'est parce qu'ils avaient un reportage à faire en fait. Ils ont pas pu vraiment regarder ma vidéo en entière. Ils ont à peine quand ils ont cliqué sur la vidéo. Bah en fait bim, reportage. Reportage mais direct. Donc là 2021, qui a regardé vraiment mes vidéos? Enfin les grands youtubeurs entre guillemets, enfin ceux qui ont pas mal d'abonnés. Par contre c'est super chelou, je trouve plus Michou Inox Tag et le Grand JD, parce que je me rappelle le Grand JD il avait regardé 5 minutes de ma vidéo. Léo. Mais c'est qui Léo? 9600 abonnés, Léo. Ça me dit quelque chose, ça. Ensuite, nous avons Mademoiselle Macrispa. Crispta. 115 000 abonnés, bah je connais pas du tout. Et regardez, 6 minutes 30 de ma vidéo. Bah c'est pas mal, 6 minutes 30, merci à toi. Noah, ah ouais, on connaît tous Noah. 1 million et 400 000 abonnés. Le boss, il est là, le boss, il est là, le boss, il est là. Faut que j'arrête de me répéter. Il a regardé 10 minutes 31 de ma vidéo, c'est énorme. C'est presque une vidéo entière, entre guillemets. Ensuite, les petits potes, je vous le cache depuis le début de la vidéo. Attention, vous êtes prêts. C'est la légende de YouTube, du YouTube français. Pas du YouTube américain. Squeezie! Eh oui, les gars, Squeezie est passé sur ma chaîne YouTube, les gars, j'étais trop content. Par contre, il a regardé 13 secondes. Donc voilà, Squeezie, 15 900 000. Est-ce que c'est pas le boss?
in the world. L'accent anglais est très bon, ne jugez pas. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout le monde. Du coup, mes petits refs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que c'était un concept qui vous plaît, voilà. Ça m'a fait trop du bien de tourner, mais genre vraiment. N'hésitez pas à raconter toutes vos histoires d'horreur que vous connaissez en commentaire, de proposer vos objets pour la décoration, ou alors vos idées de vidéos tout simplement, les petits potes. Je suis chaud, c'est carré dans le bike, les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, d'activer la petite cloche des notifications, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Vous êtes les potes, je compte sur vous. Comme dirait Léo et Matt Diz, à plus.